Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première série sur Ark, Ascended. Donc vous n'avez pas le tout début, mais vous avez vraiment rien loupé. Et de toute façon, ce que vous avez loupé, je le redirai dans la vidéo, même tout de suite. Donc pour ceux qui sont intéressés à savoir un peu toutes les ressources sur Ark, et où les trouver par exemple sur The Center ou d'autres maps, il y a des sites pour ça, et donc sur mon Discord, je vous ai mis le lien d'un site pour The Center. Donc là, par exemple, vous pouvez voir le Blue Obélisque, le vert et le rouge. Vous pouvez voir les grottes, les spawns de cristal, de métal et les endroits riches en métal. C'est quoi ça? Re tout le monde. Bon, bah on est mort à cause d'un. Ok. Un gigantoraptor, yes. Bon. Je pense on va pas tenter de récupérer le stuff. Ça sert à rien, il n'y a rien d'intéressant. On va peut-être bouger loin du gigantoraptor. Bon. On craft déjà un peu d'équipement. On va rajouter un peu d'HP. Ok, donc on va essayer. Est-ce que je peux faire des bolas? Oui. Si on peut déjà Tamantera, ce serait vachement cool. Zut, zut. Yes. Et sauf des accès, les brocs. Hop, ça va là. On va mettre un peu de résistance, comme ça on pourra un peu tanker. On va essayer un peu de se planquer quand on fait rien, parce que vu que tout à l'heure on a pu se prendre un petit carano dans la figure, on va essayer de résister. Hop. On va crafter un petit peu de camp. On va regarder un peu.
Ça nous faut. Donc, j'ai pas vu l'arc. Il est là. Bon. On va tuer des dodos, je pense. On va essayer d'avoir un peu de nourriture déjà pour bien commencer. J'arrive pas à lancer ma lance. Et il m'a pris ma lance. Il reviendra pas. Oh! Je pense de peu là. Il reviendra pas. Faut courir. Vite. Y a un Carnot qui me poursuit, j'en peux plus. Oh non, y a un trop d'eau. Oh, je l'ai semé. Je sais pas où il est. Il a peut-être dû s'accrocher avec le petit un dino. On va juste. Est-ce que je peux poser le feu de camp là? Fait, on va essayer d'attendre de voir un dino qui pourrait donner de la kératine, de la chitine. Bon, on va attendre tout de suite, je pense, un terrain. T'as niveau combien? 25. Yes, il dort. Le feu de camp là. On va essayer peut-être de tuer des petits dodos là. Oh.
Oh punaise, j'ai appris le mauvais truc. Bon là encore, faut encore réfléchir à où s'installer, mais là-bas il y a l'air d'avoir une bonne petite île. Là-bas. Là-bas sur le map, on voit en bas, là, au bout de ma lance, on voit une grande île. Peut-être intéressant de s'y installer. Le toucher. Ah non, il est trop loin. On en peut. Des fomias. Bah nickel. Là, les dinos, donc j'ai mis que les bébés dinos pouvaient grandir plus vite, vu que souvent dans l'aventure on risque de tame des dinos, bah, des bébés dinos. Mais j'ai de la peau, c'est bon, je peux me faire ma full armure. Il me faut des fibres encore. Ça nous fait un petit tac orang-outan. Ah non, oh, Oranosaurus. Ah tiens, il s'est levé le. Je sais plus le nom du dino. Il mange pas. Mais il va m'embêter lui. Donc on n'est pas passé par l'âge du lance-pierre. Hop là. Donc lui, il va m'énerver s'il mange pas. Les dinos, pour l'instant, j'ai pas mis abuser le poids. J'ai mis bah, un peu comme les humains. Mais peut-être que je mettrais plus parce que si on veut faire des bases et tout. Et par exemple, sur un Quetzal, le Quetzal il risque peut-être pas d'aimer. Donc on verra ça et on ajustera au fur et à mesure de l'aventure. Sinon je vais me donner des narcos parce qu'il va se réveiller sinon. Ah mais ça me nourrit. On va attendre un peu. Oh il y a des... pas bouger notre orang. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner des noms pour des dinos. Par exemple, notre tech orang, on va l'embêter parce que je vais pas prendre 3 ans pour dire son nom. Bah, par exemple, de trouver une idée pour son nom. Donc, pour l'instant, je leur donne pas de nom, mais plus tard, je leur donner un nom. Salut toi, ah, c'est un tome. C'est un passif ça. Ah, mais de là. Bon, on va être beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je vais pas oublier, je vais lui donner des baies à notre ami qui est tech. Bah c'est bon, il est adulte. Oui, donc c'est quand même plus rapide, c'est quand même. Oh, il y a des compis. Il me saoule lui. Je vois même plus là. J'ai loupé. Il va revenir là. J'ai encore loupé. Je suis vraiment plus doué à arc. Ah bah non, peut-être pas en fait. De toute façon, l'objectif de cette vidéo, même si elle dure 30 minutes à peu près, de préférence, ce serait quand même 30 minutes, c'est qu'on puisse. Qu'on s'installe quelque part déjà.
Faumier, il a eu peur. Oh! Tiens, nickel. Je crois qu'il est mort. Il me suit pas, nickel. S'il est mort, on va essayer de récupérer. Ouais, il est mort. Nickel. Ouais, il n'a pas de la kératine ni de la chitine. Bon, après, logique, il a de la peau. Il a des poils, je veux dire. Au moins, ça nous fait de la nourriture. Je sais pas si les auront. Lui, il a pris cher, on pourrait essayer de le tuer. Après, je pense qu'il leur faut. Ah, j'ai mal écrit. Ah, c'est niveau 43. Allez, butez-le. Oh, 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 le carnage! Ah, je crois que c'était un Terizi, moi. Ouais, il se fait déchiqueter. Hein. Et je me demande s'il donne pas de la kératine avec ce genre de crête. Peut-être 150. Toi, t'as ramassé ou pas? Il a du bon manger quand même. Ah non, c'est moi qui l'a. Non, c'est même pas moi. Il drop peu, hein. Oh, on va l'apprivoiser. Ça fait un nouveau dino. Ah, désolé, mon terrain. On va éviter de se coller à l'eau. Bah là déjà peut-être. Bon, on va se donner un objectif pour l'instant, je pense. On va se dire peut-être de faire du Jackraft un radeau, je pense que ce serait déjà pas mal. Comme ça on pourrait avec nos dinos aller dans. Aller se balader. Est-ce qu'on peut en crafter un radeau? Reniki, je lui dis. Ah. Il nous manque quoi? Il nous manque du bois. Bon, je vais aller fermer le bois. On va se crafter un radeau et ce sera tout pour cet épisode. Bah, c'est bon, on peut déjà s'en crafter. J'ai un peu peut-être un peu trop augmenté les ressources. Ça va, j'aurais pensé que l'export aurait quand même monté plus vite. Parce que là, par exemple, faut qu'on soit niveau 43 pour notre Uranosaurus. C'est quoi qui m'attaque? C'est bien merde. Oh, il est mal barré. Oh, pourquoi il a attaqué? J'espère que mon terrain, voilà, il meurt pas. Mange quand même le cadavre. Ah, il peut pas. Attends. Atterri. Et donc. On peut faire le radeau. Bon. Pour l'instant, est-ce qu'on.
On irait tous sur Radeau. En fait, le problème, c'est ce qui me fait. Qui m'embête, voilà. Ah, quoique, il volera le Ptera, donc. Donc, les amis, moi, je vous dis, go partir. On est un peu en expédition. Non, je peux pas le jeter. Hop. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu essayer déjà de l'améliorer. Et peut-être que plus tard, j'ajouterai un mode pour les radeaux. En vrai, ça pourrait peut-être être bien parce que on risque, je pense souvent de les utiliser. Mais on va peut-être un peu se forcer à utiliser un peu les radeaux. Donc là, on va craft un petit peu un radeau en deux spi. Hop. De toute façon, on va juste un peu agrandir un peu le tour du radeau. C'est quoi? C'est un. J'ai même pas l'impression que c'est un dimorphodon, ça. C'est fou. Voilà, on s'en craft un peu beaucoup. Bon, après, c'est des petites ressources qui nous seront utiles pour crafter à la maison. Hop. Vite, on va essayer de crafter en deux spi bateau, comme ça, ça fera pas une vidéo trop longue à regarder pour vous, parce que. Et même pour moi à tourner. Et donc ce soir, donc pour ceux qui voient la vidéo en retard, vous comprendrez. Mais donc ce 10 juin 2024. Donc ce soir aux alentours des 18h, 19h, 17h, 18h. Normalement je vais lancer un live sur YouTube, hein, pas sur Twitch, mais sur YouTube je lancerai un live. Et donc je serai. On partira un peu tous ensemble à l'aventure. Et donc, ce sera l'occasion un peu pour vous de proposer des idées de noms en direct. Je me dis, ça peut être intéressant pour vous. Pour un peu donner vos idées de noms pour les dinos. Bah, en direct. De toute façon, on va pas partir tout de suite rejoindre l'île, ça sera dans le live, je pense. Et le live, je éviterai de couper, je pense, j'écrirai à la fin du live ce qu'on a fait dans la description. C'est vrai qu'on a fait notre premier tam là dans cet épisode, notre premier tam, donc c'est le pteranodon. Il y a et l'orang-outan et le. Saint, Saint, je sais. Il y a des dinos vraiment pas faciles à dire leur nom. Je sais pas si vous aussi des fois vous galérez un peu. Mais donc n'hésitez pas à donner des idées de noms dans les commentaires pour après mettez de préférence par exemple pour ton Nouran Osorus, ton Nouran Osorus, ton Ptera tel nom et tout. Et comme ça au moins je pourrais un peu plus. Par contre, comparé sur Arc Evolved, on peut mettre plus de trucs sur les radeaux. Je pense qu'on va s'arrêter là sur la construction du radeau. Et donc on va commencer. Ah il est là encore que. Et on a. Là on a failli l'oublier. On a failli perdre un dino dès le début de l'aventure. Bon. On va les dire de venir déjà lui. Ça va le radeau, il est assez grand pour accueillir plein de.
On a failli perdre un de nos compagnons, heureusement qu'il a vu. Je préférais pas intervenir là sur ce coup-là parce que c'est le coup où je meurs. Bon. Lui, on va le foutre tout de suite sur le radeau pour pas qu'il meure. Il vient. Le terrain, malheureusement, on pourra pas le faire monter sur le radeau. J'ai pas encore de quoi craft sa selle. Ah si. On va améliorer un peu ses HP pour pas qu'il meure. Est-ce qu'il y a un mode de genre tourelle comme le père Contruption? Ignorer le sifflet du groupe, voilà. On va leur demander de rush ma tortue. Faire un peu de petite kératine, ça peut être intéressant. Et après, s'il faut, on attaquera le. C'est vrai, pas trop d'HP, je vais un peu les aider, je pense. Allez, tous ensemble. Ah, c'est bon, elle est un peu morte. On va déjà apprendre. On a gagné pas mal de level là sur. Je sais pas si c'est sur le ce kill. Bon, on va faire un peu de. On va améliorer notre vitesse plus tard parce que là, ça nous a. Et on va améliorer un peu l'attaque, quoi, histoire de dire. Voilà. Et on va apprendre la selle du Ptera. Je sais pas si. Non. Medus un P, il devrait trouver dans les premiers dinos. Non, on peut la prendre. Voilà. Bon, donc on va voir pour craft la selle. Peut-être falloir s'attaquer à. On va pas pouvoir craft sa selle, hein. Malheureusement. Elle est trop chère. Et. Ah ouais, ah oui, lui aussi! Bon. On va lui demander à lui de venir sur le radeau. Attendez, on va juste. Est-ce que je peux. Punaise, je peux pas accéder au radeau. Ça bouge pas. Bon, je vais essayer d'accéder au radeau. Hop. Masquer la voile. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas, comme d'habitude, pour vous répéter pour 107 ans. Et donc ce soir, en live, on ira commencer à installer la base et tout, hein. Bon, bah moi je vous dis à ce soir, ou à la prochaine pour ceux qui ne seront pas forcément sur le live. Sur ce, bye bye!